Madame, monsieur, bonjour. L'ensemble de l'équipage a le plaisir de vous accueillir à bord.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Ah, je vous êtes en forme. Ça, ça fait plaisir. Au nom de toute l'équipe de la Salle nationale, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation de la saison 19-20. D'abord, quelques remerciements. D'abord, des remerciements pour vous toutes et vous tous. La saison 2018-2019 est morte. Vous avez été 51 280 personnes à participer à tous les spectacles qui vous étaient proposés. C'est plus de 2000 de plus que la saison précédente. Merci beaucoup pour cette confiance. Merci surtout pour votre curiosité. Vive la saison 2019-2020. Tous les artistes qui sont venus l'année dernière étaient particulièrement heureux de jouer devant vous. Ils étaient également très heureux de votre exigence, de votre bienveillance pour tous les spectacles que vous avez vus en création, qui sont maintenant partis en tournée. Et puis enfin, on a les chocottes ce soir. Ça fait des mois qu'on travaille sur cette prochaine saison. On va vous la présenter en quelques heures. Oui, je m'engage plus. Quelques heures. Donc j'espère que vous êtes bien entraînés, que vous êtes bien installés. Cette saison s'apparente vraiment cette année à de multiples propositions de voyage, comme autant de possibilités de destination, des longs, des moyens courriers, des vols domestiques. Vous allez choisir, vous allez avec le plaisir, si possible, faire les meilleurs choix. C'est quand même 70 destinations, à peu près 250, 260 vols pour cette nouvelle saison, c'est plus que l'an passé. 15 productions, coproductions, 5 spectacles qui vont être créés dans les différentes salles de la maison. Et puis tout autant d'occasions avec le temps fort consacré au théâtre du mois de novembre, le festival ad hoc en décembre, et puis Musique Musique en avril qui structure à peu près les saisons maintenant. On va vous présenter la saison dans l'ordre chronologique des spectacles. Vous avez le plan de vol sous les yeux. L'équipe va tout l'été pour se préparer, pour se mettre en forme, vous aussi. Et puis on se retrouvera à la fin de cette présentation au FITS. Vous en avez l'habitude, on vous offre un petit cocktail. On va vous montrer pas mal d'images ce soir. Vous savez, le vice que l'on met à les couper très vite. Dans certains cas, on les coupe très très vite. 10 secondes d'inattention, c'est fini. Je vous préviens. Et puis enfin, comme les... Non, les portes ne sont pas tout à fait fermées. C'est presque les portes sont fermées. Alors, comme vous êtes installés et que les portes sont fermées, cette année, on fait les choses bien. Vous avez d'abord des consignes de sécurité, puis après, on part pour le voyage avec tous mes camarades de jeu. Je vous souhaite une bonne présentation et une bonne soirée. Madame, monsieur, bonjour. L'ensemble de l'équipage a le plaisir de vous accueillir à bord. Nous nous assurerons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination 2019-2020 et vous souhaitons un très bon voyage. Quelques consignes de sécurité. En cas d'évacuation, un panneau lumineux Exit vous permet de localiser l'issue de secours la plus proche de votre siège. Elle peut se situer derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre et à l'arrière. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux. Les portes seront ouvertes par l'équipage. Les toboggans se déploient automatiquement. Nous allons bientôt décoller. Votre tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Bon voyage. À tous, nous vous souhaitons un bon spectacle. Voilà, maintenant que vous êtes prêts, début de la saison 19-20 avec un ensemble qu'on ne présente plus au Havre, qu'on ne présente plus au Volcan, les Dissonances, cet orchestre tout à fait étonnant qui a été inventé par David Grimal, ce violoniste virtuose qui le dirige depuis son violon, orchestre qui, y compris dans des compositions symphoniques avec beaucoup de musiciens, joue toujours sans chef. Trois programmes pour cette saison prochaine, le premier qui ouvrira la saison qui s'appelle Péléas, le 1er octobre, le deuxième Mélancolia que vous allez trouver le 13 janvier et le troisième le Mandarin merveilleux le 26 mai. Dans ces trois concerts qui vont vous permettre d'entendre Wagner, Strauss, Schoenberg, Berlioz, Bruckner, Schubert, Caudalie et Bartok, ce qui est à l'œuvre, ce qui est essentiel, c'est deux choses. Le passage de la musique du 19e au 20e siècle, avec des œuvres absolument fantastiques de cette période, et puis les grands effectifs, c'est au moins 80 musiciens sur scène. L'occasion pour moi de dire ou de redire à quel point
profiter de la présence des dissonances pour amener les enfants. C'est toujours un moment magique de voir une telle formation orchestrale, ça marque vraiment. Et puis dire, pour celles et ceux d'entre vous qui ont été déçus du report de la création du quatuor d'Éric Montalbetti qui devait se jouer au FITS par le quatuor des dissonances, David était souffrant, ce concert aura finalement lieu au FITS le 27 novembre. Vous pouvez déjà noter cette date qui n'est pas dans la brochure, comme toutes les, ou presque toutes les autres dates du FITS que l'on vous communique différemment chaque saison. Les 4 et 5 octobre, on démarre la saison danse, on va dire ça comme ça, avec une sacrée pointure, vous le connaissez, Alain Platel, il est déjà venu plusieurs fois au Volcan. Et là, il a décidé, comme vous le voyez, de s'attaquer au Requiem de Mozart. Enfin, Requiem pour elle, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire le Requiem de Mozart. Sans arrogance, sans aucune irrévérence, en compagnie de son ami le compositeur Fabrizio Cassol, qui va marier Mozart à la polyphonie africaine. Mais ça ne vous est peut-être pas étranger, parce que souvenez-vous que Fabrizio Cassol avait déjà marié la musique baroque d'un coup fatal à la polyphonie africaine. Et tout ça pour un bouleversant hymne aux défunts, un défunt au pluriel, je le dis, il n'y a pas qu'un défunt, vous verrez, c'est vraiment un bouleversant hymne à ça, mais qui est rehaussé par le bouillonnement vital et le bouillonnement de la vie qu'insufflent les musiciens-chanteurs. Et je le précise, musiciens-chanteurs, parce que vous n'aurez pas affaire à une chorégraphie véritablement, mais à un concert chorégraphié, quelques images, vous allez voir. Très, très grand spectacle, deux représentations. 9, 10 et 11, on sera là sur ce grand plateau au Grand Volcan pour la rencontre de deux grands maîtres. Le premier, c'est Joanne Le Guilherme, grand maître du cirque, grand maître du point, grand maître du cercle, que vous avez déjà beaucoup vu au Havre, qui est un des artistes français qui tourne et est connu dans le monde entier aujourd'hui. Le deuxième grand maître, c'est Alexandre Gauthier. Lui, c'est un cuisinier, 2 étoiles au guide Michelin. Que vous avez déjà vu, c'est lui qui avait mis en cuisine le Marais Luisant il y a quelques années sur ce même grand plateau. Les deux maîtres réunis ont conçu un duo culinaire qui est absolument hors de toute proportion, ça ne ressemble à rien. Vous allez devoir réapprendre à manger, vous allez sortir de là en vous disant que c'est absolument magique. Tout est complètement fou dans ce que vous mangez, ce qu'il y a dans votre assiette, la forme de l'assiette, la façon dont on vous sert. Plus jamais vous n'oserez faire de la semoule comme vous la faites habituellement chez vous. Attention, deux représentations par jour, le midi et le soir, c'est un vrai repas. C'est un repas qui ne peut être servi que pour 60 personnes. Pas une de plus, et vous comprendrez très vite pourquoi, en y assistant. Le 12, nous accueillons dans la maison, sur ce grand plateau, un des maîtres de la musique klezmer, David Krakauer, qui joue avec tous les plus grands musiciens du jazz, des musiques du monde, mais également des symphoniques. Krakauer a créé son propre ensemble qui s'appelle Abraham Inc. Et sur ce plateau, vous le découvrirez avec Fred Wesley, le tromboniste mythique de James Brown, et puis Sokaled, qui est à la fois maître de cérémonie et sampleur. Vous allez danser sur vos fauteuils et vous tweeterez, écoutez. Thank you.
go. Tweet, tweet. Come on, tweet, tweet. Merci beaucoup, Fred Wesley. Abraham Inc. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'avez sans doute vu, nous sommes ce soir filmés, enfin pas vous, puisque cette présentation est retransmise en direct sur notre chaîne YouTube. J'en profite donc pour saluer tous les internautes qui sont derrière leurs écrans. C'est tellement mieux ici, mais c'est bien chez eux aussi. Cette année, moins de cascades que l'an passé, si vous étiez venu aux présentations l'année dernière, quoique, mais beaucoup de technologies et notamment quelques duplex qui vont vous permettre de découvrir d'autres personnalités qui font partie de l'équipe et qui sont ici ou là en train de travailler dans d'autres parties du bâtiment. La première qu'on va essayer de joindre, c'est Barbara. Je crois qu'elle est juste en dessous de nos pieds, là, sous la scène. Elle est convaincue que la grande destination du mois d'octobre, c'est l'Afrique du Sud. C'est bien ça. Oui, Jean-François, et je vous explique pourquoi. Dans les années 70, en Afrique du Sud, les populations noires touchées par la ségrégation trouvent dans la danse la voie de la révolte et de l'affirmation de soi. Alors, on parle beaucoup du hip-hop aux États-Unis, mais connaissez-vous le pensula ou le gumboot ? Donc, le pensula, c'est une danse urbaine sud-africaine qui naît dans les townships de Johannesburg dans les années 70-80 en pleine apartheid. C'est un peu un équivalent du hip-hop américain. C'est une danse qui est marquée par un jeu de jambes très rythmé. Quant au gumboot, c'est aussi une danse urbaine sud-africaine qui est, elle, pratiquée traditionnellement par les mineurs sud-africains en bottes en caoutchouc et qui est marquée par des percussions corporelles. Donc la compagnie Via Ketle Hong, c'est un peu l'ambassadrice de ces danses urbaines sud-africaines et elle vient présenter en octobre prochain au Volcan le spectacle Via Kanana, mis en scène par le chorégraphe sud-africain Grégory Makoma. Ce spectacle, qui est très engagé politiquement, parle d'un pays passé de la ségrégation à la corruption. Sur scène, il y a 8 danseurs et danseuses qui donnent corps à leurs revendications et à leurs espoirs. Moi, je vais faire un voyage un petit peu moins loin. J'attends un avion, là, mais un avion pour le théâtre des Bains-Douches. Une belle destination. On va y aller 6 fois cette saison.
Et pour la première fois, on va y aller pour découvrir le spectacle Exit. Exit de la compagnie havraise Actée, qui ouvrira le deuxième temps fort du festival Théâtre en création, deuxième édition de ce temps fort, l'occasion de découvrir une nouvelle fois trois créations. Donc la première, Exit, sera jouée sur un texte de Fausto Paravidino, un très beau texte qui nous ramène dans l'Italie, il y a un peu plus de 10 ans, dans une Italie contemporaine, l'Italie de Berlusconi. Exit, c'est surtout l'histoire d'un couple. Ils se sont aimés, ils se souviennent plus vraiment pourquoi. Ils sont là, ils sont installés un petit peu comme nous, mais eux, c'est dans leur canapé. Et ils vont nous raconter leur histoire. Ils vont nous raconter comment ils se sont aimés, ils vont nous raconter aussi comment petit à petit, toutes les petites choses qui faisaient qu'ils s'adoraient, ça les horripile aujourd'hui. Tout ce qui faisait qu'ils se sont adorés, ben pour un oui, pour un non, ils se chamaillent maintenant. Ça semble assez ordinaire comme ça, et pourtant, le texte est savoureux. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la rapidité du texte, tous les ping-pong qu'il y a entre l'avant, l'après dans l'histoire. On rit aussi, on rit surtout en fait, on rit énormément. On rit de cette histoire un peu ordinaire, mais on rit aussi de soi. Ça a quand même vraiment une impression de déjà vu en fait, de déjà vécu. On a un peu l'impression de se retrouver dans ce couple un petit peu ordinaire. Et puis c'est l'occasion aussi de souligner que dans ce huis clos, la mise en scène d'Anne-Sophie Pochet, qui est la metteur en scène de la compagnie Actée, est vraiment toujours ciselée, tenue, et c'est ça qui est agréable, c'est jusqu'à la dernière seconde on est vraiment pris dans cette histoire. Voilà pour le premier rendez-vous du temps fort. On continuera ensuite, on va redescendre, prendre le tram et revenir ici au volcan pour venir dans la grande salle, et on va retrouver une compagnie qu'on connaît déjà puisqu'elle a été associée pendant plusieurs années au volcan, notamment pendant l'époque de la gare maritime, la compagnie des réseaux. La compagnie des réseaux, elle aime le spectacle immersif. Elle aime que les spectateurs puissent vivre pleinement l'expérience de spectateur, même physiquement. Ils avaient joué notamment La Tempête il y a quelque temps, La Tempête de Shakespeare, et pour cela, ils avaient trouvé la bonne idée de construire un énorme bateau qui était installé juste devant le volcan, dans le forum, et les comédiens étaient installés sur ce bateau et on pouvait vraiment vivre physiquement la tempête. Il y avait le vent, il y avait la pluie, et on était au plus près des éléments, si je puis dire. Et cette fois-ci, ils vont nous proposer un autre voyage, puisqu'ils vont nous emmener littéralement de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll pour nous faire vivre la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, on ne va pas vous dévoiler maintenant le secret, le dispositif nouveau qu'ils inventent pour ce spectacle, mais peut-être une indication à vous donner, c'est d'oublier avant tout l'Alice au Pays des Merveilles de Walt Disney. On sera un petit peu loin de ça. Oubliez les clichés de la jolie petite fille blonde. On va aller un peu ailleurs. On va aller dans l'univers forain de la compagnie des réseaux. Et surtout, ils vont nous emmener dans une redoutable partie d'échecs qui sera là au plateau. Je ne vous en dis pas plus pour le moment pour cette création. Et puis, dernier et troisième rendez-vous de ce temps fort en création, une nouvelle pièce de Franck Tortillier. Alors cette fois-ci, elle sera jouée en petite salle, et il me semble que Yannick trépigne à l'idée d'accueillir Franck Tortillier. Yannick, est-ce que tu es en régie et est-ce que tu as envie de nous parler de Franck déjà? Yannick, es-tu avec nous? Es-tu là, Yannick? Ben oui. Et la terre se transmet comme la langue est un des textes que le grand poète palestinien Mahmoud Darwish a écrit. Il raconte l'exil et le difficile retour. Souvenez-vous, c'était en 2005, Mahmoud Darwish était invité ici même, sur le plateau du Grand Volcan, pour nous offrir ses poèmes. Il était accompagné de son compatriote Elias Sambar. Elias Sambar revient près de 11 années plus tard pour un vibrant hommage à son ami. Sur scène, sur une musique composée par le vibraphoniste et arrangeur Franck Tortillier, les voix, tantôt chantées par la soprane Dominique de Vals ou déclamées en français par Elias Sambar, formeront un appel à l'imaginaire sonore en résonance avec les mots du poète. Prochaine destination, ben, ce sera rien moins que le Japon et Bayreuth, pour ainsi dire. D'un côté Teshigawara, de l'autre côté Wagner, Tristan et Isolde, ben, on est bien parti. J'en profite pour vous dire, puisqu'on parle de Tristan et Isolde, que vous pouvez lier les deux programmes. Teshigawara avec le concert d'ouverture des Dissonances, évidemment, l'ouverture de Tristan et Isolde et le prélude à la mort d'Isolde. Voilà, vous voulez faire un beau tir groupé.
Donc du coup, notre ami Saburo Teshigawara, c'est une sacrée figure de la danse mondiale, évidemment, et surtout une figure atypique. Figure atypique parce qu'il ne travaille jamais en compagnie, mais en solo ou en duo. Duo, souvenez-vous bien de ça, duo, Tristan Isolde, duo. Atypique aussi parce que c'est un Japonais qui a fait de la danse classique et qui est passé par les arts plastiques. Et du coup, moi, je me dis toujours que je ne peux pas m'empêcher de regarder la gestuelle de Teshigawara dans l'espace, comme si je la comparais à de la calligraphie, quelque part. C'est vraiment une calligraphie sur la feuille, nerveuse, stylisée. Ça, c'est vraiment le geste de Teshigawara. Donc, la légende de Tristan et Isolde, le duo, ce duo infernal, cette histoire d'amour impossible, face à deux interprètes, Saburo Teshigawara, bien évidemment, et Ryoko Sato, deux interprètes qui se font face, comme dit Teshigawara, deux miroirs qui se renvoient la lumière. Deux impossibles rencontres des contraires, c'est vrai dans la musique de Wagner, c'est vrai dans la danse de Teshigawara, vous le verrez, c'est absolument magnifique. Et si vous ajoutez cela à la puissance tellurique de la musique de Wagner, eh bien vous allez vous faire une soirée de confrontation de très 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 haute volée. Le 16, sur ce grand plateau, ça y est, enfin, alléluia, il est guéri de sa rencontre malencontreuse avec un tic. Bobby McFerrin reprend de l'activité, il sera sur scène au Volcan avec Jill Goldstein au piano, ce qui est une excellente nouvelle, et David Mansfield qui sera là avec sa guitare et ses violons. Ça devrait être un très grand moment de musique. Il ne va pas donner beaucoup de concerts en France, Bobby McFerrin, je crois qu'il en donne en tout et pour tout deux. C'est un rendez-vous unique, on ne peut pas rater Bobby McFerrin. Un tout petit peu de musique pour celles et ceux d'entre vous qui auraient oublié l'homme de Be Happy. Bobby McFerrin. Du 14 au 19 novembre, nous irons en petite salle pour l'ouverture de la saison du Volcan Junior. Ah ben, ça tombe pile poil. Un spectacle pour les petits, à partir de 18 mois. C'est le cas ? Non ? Presque. À partir de 18 mois, en tout cas, nous ouvrirons la saison Volcan Junior avec Une miette de toi. Un spectacle qui nous vient d'une compagnie qui est installée à côté de l'eau, de l'autre côté de l'eau, pardon, pas très loin d'ici, de la région, donc, qui a un joli nom qui s'appelle le Théâtre du Chant Exquis. Et il nous propose, avec Une miette de toi, de nous installer vraiment au plus près de la comédienne et de son acolyte, qui est ni plus ni moins qu'un commis de cuisine. Ils vont nous proposer un spectacle où ils viennent avec toute leur batterie de cuisine. Ils installent des casseroles, des fouets. Tout ça est suspendu au-dessus du plateau. Et petit à petit, ils vont touiller, mixer tout ça pour nous donner un spectacle vraiment onctueux. Et petite subtilité du spectacle, c'est que tous les ingrédients que vous verrez sur scène sont des ingrédients issus des contes de notre enfance. On va retrouver les petits pois de la princesse, on va retrouver aussi le pain d'épices d'Hansel et Gretel, on va retrouver par exemple le petit pot de beurre du Chaperon Rouge. Tout sera là, tout sera joyeusement mélangé. Et moi, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on goûte à tout avec vraiment beaucoup de délices. Et on est toujours dans le plaisir avec ce spectacle-là pour les tout-petits. Ensuite, du 21 au 24 novembre, on fêtera un anniversaire ici, dans la grande salle. Et on ne fêtera pas n'importe lequel anniversaire, puisqu'on va retrouver les 25 ans du cirque Éloise. Ça y est, il fête ça. Et il fête ça avec une belle création qui va nous être proposée, Hôtel. Vous allez pouvoir retrouver les Québécois du cirque Éloise. Pour cette création, pour cet anniversaire, ils vous invitent dans un palace, un grand palace. Il fallait bien ça pour fêter un anniversaire. Ils seront pas moins de 12 artistes sur scène, acrobates, musiciens. Et vous verrez que ce soit au premier étage jusque dans les chambres de bonne, tout va être fait pour vous divertir. Ça va être pimenté, plein de surprises. Alors, on va vous montrer
quelques images, mais je préfère vous prévenir. C'est vraiment quelques secondes. C'est le bon moment de lever le nez de la brochure pour regarder. Saisissez ces quelques secondes, on ne vous en donnera pas plus. Voilà pour Hôtel. Vous avez prévenu, c'est court, ça met l'eau à la bouche seulement. Le 26 novembre, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les mélodies de Gabriel Fauré, ce compositeur de la fin du 19e siècle, qui a mis en musique beaucoup de poèmes de ses contemporains. Les mélodies de Fauré, vous avez peut-être l'habitude de les entendre dans leur version originelle pour piano-voix et avec une interprétation lyrique. Ici, rien de tel. Ce que nous allons vous proposer, c'est Olivier Mélano, qui est à l'origine de ce projet artistique, qui est musicien, guitariste, compositeur éclectique et qui a eu envie de nous les faire entendre autrement. Alors, il a composé avec ses complices des arrangements piano, violon, violoncelle. Et surtout, il a confié l'interprétation non pas à des pros du lyrique, mais à des noms de la chanson, de la pop, du blues rock, comme Coltman, John Greaves, Sandra Nkake, Albin de la Simone, pour ne citer qu'eux. Le résultat est d'une très grande beauté, d'une très grande douceur. On est transporté par une musique qui est à la fois mélancolique et lumineuse. On est porté par la beauté de la poésie de Verlaine, Sully Prudhomme, Armand Silvestre. Et on est aussi porté par la beauté des voix qui servent musique et poésie très simplement. On écoute un extrait de ce spectacle qui a clôturé l'an dernier le Festival d'Avignon dans la cour d'honneur. Ici-bas, tous les lilas meurent, tous les chants des oiseaux sont courts. Je rêve aux étés qui demeurent toujours. Ici-bas, les lèvres et fleurs sont rien laissé de la velours. Je rêve aux baisers qui demeurent. On retourne ensuite au Théâtre des Bains-Douches pour une jeune compagnie que vous ne connaissez peut-être pas encore. La metteuse en scène est d'origine rouennaise. Elle s'appelle Naïma Boudouni. Le spectacle s'appelle Daddy Papillon, la folie de l'exil. Naïma est quelqu'un qui, comme on les aime dans cette maison, fait tout. Elle écrit, elle met en scène, elle joue, elle invente. Là, dans ce cas précis, ce spectacle, c'est l'histoire de son papa qui est arrivé d'Algérie il y a bien longtemps en France. C'est un ouvrier en bâtiment. Et puis, quand il arrive, il se met à travailler et il tombe très vite malade d'une maladie dont personne ne sait ce qu'elle est, qui met du temps à être diagnostiquée. Il a des bouffées délirantes. Ça lui crée une vie tout à fait particulière, avec beaucoup de soucis au quotidien. Naïma raconte l'histoire de son papa dans ce spectacle. Alors elle la raconte avec des mots, certes, mais pas que. C'est un théâtre d'images, c'est un théâtre de vision, c'est un théâtre totalement transversal qui marie le cirque et le théâtre. Dans ce spectacle, vous découvrirez notamment un numéro de roue tout à fait invraisemblable. C'est une des nouvelles figures, je l'espère, une des grandes signatures du théâtre de demain. Ne ratez pas Naïma Boudouni au Théâtre des Bains-Douches. La suite du mois de novembre, ensuite, en petite salle, avec la petite sorcière du projet MU. On accueillera pour la première fois cette compagnie qui nous vient du Québec, elle aussi, deuxième compagnie québécoise de la saison. Et ils vont nous raconter une histoire, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Petite Sorcière,
à la mort malheureuse de sa mère, petite sorcière doit aller vivre chez son voisin, qui est ni plus ni moins que l'ogre. Il habite un peu plus loin dans les bois. Alors comme ça, ça a l'air de mal commencer. Mais c'est pas si mal que ça, puisqu'il vit dans un grand château. C'est pas si mal. Il a bien envie de l'accueillir. Il lui propose de lui donner une chambre dans laquelle elle sera bien, bien installée. Le seul petit souci, c'est que très vite, le naturel revient au galop. Et dès qu'il la croise dans un couloir, il a un peu envie de la croquer, ce qui est quand même un problème. Alors comment ça va se passer? Comment résoudre ce problème? Comment petite sorcière peut-elle s'en sortir sans devenir elle-même le monstre de cette histoire? C'est vraiment la question que pose ce spectacle. Un spectacle qui est très beau par son écriture, une écriture très fine, et surtout par sa mise en scène, qui est toute simple, avec une actrice seule en scène qui incarne tous les personnages et qui tient ça vraiment à bout de bras. Oui, messieurs, dames, et oui, il faut au moins ça, surgir des tréfonds pour parler de Maybe, de Maggie Marin. Pas d'autre solution, messieurs, dames, vraiment pas d'autre. Pensez à cette cohorte, cette parade de petites gens qui circulent à travers le plateau comme elles circuleraient à travers le monde, une parade de petites gens tout droit sortis de l'univers de Samuel Beckett. Par où aller? Peut-être par là, maybe. Peut-être par là, maybe. À où aller dans le monde, en groupe, seul? C'est la destinée humaine. Maybe, ça fait 40 ans ou presque que ça tourne. À voir absolument ou à revoir. Moins de cascades, mais quand même. Hein. Le retour de Molière et de Jean Lamberville dans ce mois de décembre au volcan, Don Juan ou le festin de Pierre, là, pour le coup, vous allez vous retrouver dans un cabaret qui est à la fois drôlatique, tragique, tout en porcelaine. C'est une des plus belles scénographies que vous pourrez voir cette saison. Sans doute une des plus belles scénographies que vous pourrez voir, tout spectacle confondu, cette année en France. Ce Don Juan fardé de blanc va être entouré d'acteurs musiciens suisses. Il va être aussi entouré des jeunes comédiens de l'école du théâtre du Centre dramatique national du Limousin. Et puis vous allez découvrir un Sganarelle extrêmement impressionnant, jeune comédien qu'on n'a pas encore vu sur les plateaux de théâtre, mais qu'on a déjà vu au cinéma. Il est vraiment très impressionnant. Pour ce spectacle, Jean Lamberville fait quelques emprunts à Tirso de Molina, l'un des grands maîtres du siècle d'or espagnol, dont Molière s'est beaucoup inspiré. Mais pour le reste, l'essentiel du texte de Molière, véritable bombe à l'époque de Louis XIV, est bien là. Jean Lamberville incarne à nouveau un méchant homme, un grand seigneur. Si vous l'aviez vu dans Richard III, vous voyez à quel point il peut s'emparer de ses personnages. Là, ce qui fait la différence, c'est la place de Sganarelle. Essentiel dans le texte, essentiel sur le plateau, plus vivant pour du vrai. Le 10, sur ce grand plateau, on accueille pour la première fois une jeune femme qui est bourrée de talent. Elle est belge, elle chante, elle arrange, elle joue de la flûte. Elle a déjà raflé une grande partie des récompenses qu'on peut rafler dans le milieu du jazz. Le succès public est grandissant.
C'est un peu le frisson, ça a été mon grand frisson de cette saison. Regardez Mélanie de Biasio, un petit extrait d'un concert qu'elle a donné pour FIP. Sweet old babe, losing all kingdom in tears. Sweet old babe, losing all wisdom for years. Straight man somewhere, rebels and slavery. Fading soul square, cynical delivery. One time to lose, one time to leave. As long as we're willing, one time to love, one time to leave. As long as we believe. Belle voix. Dernier voyage de l'année 2019, puisque nous serons à la fin du mois de décembre, du 13 au 18 décembre plus particulièrement, et nous vous proposerons la troisième édition déjà du festival Ad Hoc. Alors Ad Hoc, c'est un festival qui a lieu pendant 6 jours dans toute l'agglomération havraise, et cette fois-ci nous sillonnerons plusieurs villes, Épouville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Le Havre, Manéglise, Montivilliers ou encore Sainte-Adresse seront une nouvelle fois les villes partenaires du festival et on s'en réjouit. Et également l'occasion de saluer Le Havre Seine Métropole qui sera également partenaire de ce festival. La troisième édition du festival proposera 10 spectacles, près de 60 représentations et surtout 6 nouvelles créations pour ce festival dédié à la création pour le jeune public. Des spectacles à voir en famille pendant tout le week-end, mais aussi des spectacles à voir en temps scolaire pendant la semaine. Vous allez découvrir du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique mécanique, de la danse escalade, un bal aussi qui aura lieu ici sur le grand plateau pour enflammer le plateau. Et puis également un camion à histoire qu'on transformera et qui circulera un petit peu, dans l'aglo, un peu partout dans l'aglo avec une nouvelle histoire, Gaïa. Voilà, vous découvrez là en même temps les images de l'édition 2018, l'occasion de voir un peu l'ambiance de ce festival. Et vous verrez, juste avant Noël, vous aurez vraiment de quoi faire patienter les enfants, un beau cadeau à leur offrir. Tout le programme sera disponible à partir du 12 octobre. Vous pourrez prendre vos places à partir de ce moment-là. Des places pour tout le monde, 5 euros. On n'a pas changé ça par rapport à l'année dernière. Voilà pour ce dernier voyage de l'année 2019. Pendant les vacances de Noël et Nouvel An, toute l'équipe d'Anne-Laure Liégeois va s'installer au Volcan pour créer sur ce plateau. Anne-Laure Liégeois, metteuse en scène que vous connaissez sans doute, qui est beaucoup venue, qui a été artiste associée à cette maison, a quelques obsessions de salubrité publique. Alors, parmi ces obsessions, il y en a au moins deux qui m'ont toujours passionné, son rapport au théâtre élisabétain et son rapport au monde du travail. En 2020, c'est le tour du monde du travail et pour cause. Nous venons de traverser quelques mois qui nécessitaient bien que l'on se pose la question du monde du travail. Alors, pour cela, elle est partie sur 3 spectacles, 3 textes qui se complètent, qui se répondent, qui s'éclairent et que vous pouvez choisir à votre convenance puisque nous vous proposons 4 soirées dont une intégrale. Entre les 3 textes, il y a 50 ans, entre l'augmentation de Pérec et le texte qu'est en train d'écrire Jacques Jouet, il y aura donc 50 ans. Mais pendant ces 50 ans, la capacité qui est la nôtre de demander une augmentation correspond toujours au même parcours du combattant. Et le trait commun entre ces 3 textes, c'est le rire. Alors attention, c'est pas le petit rire sournois, c'est pas non plus la petite grimace pour faire composition, non. C'est le rire violent, spasmodique, celui qui va vous faire mal aux gencives, qui va vous faire mal au ventre. Et vous allez vous dire quand même, qu'est-ce qu'on a rigolé ? Alors pour celles et ceux d'entre vous qui avez participé au Volcan Maritime, à ces soirées en entreprise avec la cantine au milieu, vous voyez de quel rire je parle. Anne-Laure reprend l'ensemble de ces 3 textes, donc l'augmentation de Pérec, l'intérimaire de Rémi DeVos et puis le marché que Jacques Jouet est en train d'écrire. Et puis vous allez passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un ou aux 3 et vous n'allez pas cesser de rire pendant toute la soirée.
Petit clin d'œil pour celles et ceux qui avaient vu ce spectacle, pour les deux premiers qui sont complètement refaits par Anne-Laure. On était sortis de Rémy DeVos en fredonnant Annie Cordy, « Ça ira mieux demain ». Alors les moins de 40 ans peuvent rien comprendre. Hein. On en revient ensuite à nos histoires de voyage avec le spectacle « Manche tes ronces ». Alors partir, ce n'est pas toujours une partie de plaisir quand on nous envoie chez nos grands-parents, et surtout dans le cas de Léopold. Lui, sa grand-mère, elle lui fout vraiment les chocottes. Elle est aussi douce qu'un cactus, et son chien, Moquette, aussi affectueux qu'une planche à clous. Alors quand il est envoyé là-bas quelques jours, il n'emmène pas large. Le collectif bruxellois au doux nom de Moquette Productions a décidé de créer un spectacle sur la thématique de la peur. Et quoi de mieux pour cela que d'utiliser des marionnettes d'ombre. Au plateau, deux comédiennes et un musicien multi-instrumentiste, Jean-Luc Millot, qui, peut-être vous le connaissez déjà, était l'ancien batteur des Têtes Raides. Je vous propose de regarder quelques images. Je sais que c'est mon petit-fils. Quand ? De merde ! Tu préviens toujours à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il va faire ici pendant 2 jours ? C'est pas un temps de vacances chez moi. J'ai du travail, hein ? Retournons au théâtre des bains-douches. Dans l'histoire du clown, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a eu trop peu de modèles féminins. Tout reste donc à imaginer, à créer pour les artistes d'aujourd'hui. Et c'est ce que fait Marie-Laure Baudin avec son double sauvage, Pauline Quick, que vous avez peut-être déjà croisé au volcan, dans les clownesses ou Bienvenue en Corée du Nord. Dans Chaos, Kourou et Cataclysme, sous l'œil avisé de Paola Rizza, Marie-Laure Baudin s'intéresse à la notion de crise qui semble être le maître mot de notre monde contemporain. Crise de nerfs, crise économique, crise écologique, crise de la quarantaine, crise existentielle. Or, cet état ne va pas de soi pour cette femme bien trop équilibrée qu'est Pauline Quick. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Dans un décor entre sitcom et salon bourgeois, seule sur scène, elle va chercher les failles, le désordre, l'ennui, les désœuvrements, les addictions aussi. Et s'amuse de tout cela pour notre plus grand plaisir. Crise de rire garantie. Du 16 au 19, nous accueillons pour la deuxième fois au volcan le nouveau cirque du Vietnam, avec Tédar, leur nouveau spectacle qui signifie tourner en rond autour d'un feu et qui nous transporte dans la région montagneuse des Hauts-Plateaux. Sur scène, 5 musiciens, des tambours, des gongs, des chants, 15 acrobates, garçons et filles, virtuoses, et au cœur de la scénographie, le bambou. Il sert à tout, le bambou. Il leur sert de décor, il leur sert d'agrès, et il s'avère être un fantastique partenaire de jeu. C'est bien évidemment un spectacle à découvrir en famille. En voici un petit aperçu. Il y a 2 saisons, nous avions accueilli la cordonnerie avec Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Avec ce même principe de réécriture, voilà, de contes ou d'œuvres mythiques, ici la compagnie va s'attaquer à la figure emblématique de Don Quichotte,
qui, pour l'occasion, sera confronté au bug de l'an 2000, ou au bog de l'an 2000, comme ils disent dans le spectacle. Voici quelques images de ce spectacle qui mêle vraiment avec finesse le théâtre et le cinéma. C'est toujours comme ça. Quand on vient de créer un spectacle, on n'a pas le temps de souffler. Il faut tout de suite trouver un nouveau projet. On tombe sur un scénario d'un certain Sid Ahmed Ben Elrahi. Le scénario s'intitule « Dans la peau de Don Quichotte ». Je suis Don Quichotte de la Manche. Celui qu'on appelle le chevalier à la triste figure. L'esclave éternel de l'incomparable Dulciné du Toboso. Qui je ferai les plus fameux exploits qu'on ait vus, qu'on voit et qu'on verra dans le monde. Jamais passé plus d'une demi-heure dans son bain à jouer avec de la mousse et à se raconter des histoires. Joanie Berthe, du Théâtre de Romette, a décidé de créer un spectacle qui s'appelle Le Petit Bain, un duo pour un danseur et 25 mètres cubes de mousse. Alors, dans ce spectacle, pas de texte, uniquement un terrain de jeu entre la mousse et toutes les histoires qu'on peut se raconter autour. C'est un spectacle qui, je le suis sûre, vous permettra de passer des moments complètement différents au moment du bain avec votre enfant, c'est sûr. Un spectacle très beau, très imaginaire et plein de douceur. 28 janvier, inauguration du excusez-moi, voilà, je suis en train de me coincer la voix, du festival Fahrenheit, mis en œuvre, initié par nos amis du Centre chorégraphique national du Havre. Et tout ça avec le spectacle, avec la chorégraphie masse de Pierre Ponviane. Alors Pierre Ponviane, c'est un jeune chorégraphe de Lyon, de la région lyonnaise. Sur scène, un comédien, un auteur comédien et 6 danseurs. Donc d'un côté, les mots du comédien, de l'auteur, de l'autre côté, les gestes du danseur, des mots qui s'enchaînent, des gestes qui s'enchaînent. On remonte la chaîne du temps. Et on se balade comme ça pour remonter jusqu'à une autre chaîne, qui est la chaîne des enchaînements de la farandole. La farandole, la danse macabre, et de la danse macabre, on remonte le temps par des ritournelles de mots, des ritournelles de gestes, et on remonte quasiment le temps jusqu'au repas de famille du dimanche, qui est un autre lieu où les gens s'enchaînent, grosso modo, en danse et en mots. Pierre Ponviane nous convoque à une sorte de peinture animée de nos vanités d'hier, d'aujourd'hui, tout ça par le mouvement et par les mots. C'est un objet très curieux, vraiment très curieux, qui s'accélère, où les mots nourrissent la gestuelle, etc. etc. Alors, après les mots, après la vanité des mots, je crois qu'on va parler d'une autre vanité, mais qui est un peu plus prosaïque, peut-être. Et là, c'est Charlotte qui va, je crois, qu'il y a des choses à nous dire sur la chose. La chose, Charlotte. Un petit quelque chose ? Oui. Sexe, amour, liberté, corps, choix, jouissance. Droit dans les yeux, nous allons parler de sexe. Ah, je vous vois regarder votre voisin et vous questionner. Oui, de sexe, ce qui nous relie tous de près ou de loin. Bernadette Gruson, avec son spectacle Quelque chose, vous embarque dans un voyage de 2 millions d'années d'histoires rocambolesques que l'on n'aurait jamais suspectées. Cette documentation enrichissante, Bernadette Gruson l'a notamment puisée au sein de la bande dessinée Sex Story, qui révèle en image un projet fou, écrire l'histoire sexuelle de l'humanité. Et parce que l'on n'apprend jamais mieux que par soi-même, son vécu personnel, elle l'a également intégré pour en faire la trame et pour nous offrir une réflexion enivrante. Alors avec humour, culot, militantisme, elle va nous donner cette parole nécessaire que chaque oreille devra entendre.
pas de sujet interdit. Dans ce seul en scène, tout va vous être révélé. Et puis... Levons les tabous. Voilà, vous aurez levé les tabous avec quelque chose. Merci Charlotte. Et vous serez prêts, je crois, à encore plein d'autres impertinences, puisqu'on va retrouver les Chiens de Navarre, une compagnie qui est déjà venue il y a à peu près un an et demi avec Jusque dans vos bras. Si vous étiez en salle, vous vous en souvenez, ça décoiffait vraiment. Ils nous posaient une question. Qu'est-ce que veut bien dire le fameux concept d'identité française ? Alors, ils étaient venus sur scène avec un Charles de Gaulle géant, mais vraiment géant, un géant. Également, Obélix était de la partie, Robespierre aussi, et ils interrogeaient du coup cette idée, qu'est-ce que ça veut dire être français. Pour cette nouvelle pièce, ils nous posent une nouvelle question, et cette fois-ci, ils vont nous demander, la famille, c'est quoi ? Ils sont en train d'écrire le spectacle, il est bientôt fini, les premières vont avoir lieu cet été, et pour le moment, ils sont partis d'un sondage, un sondage tout simple qu'ils ont trouvé, où ils ont vu que pour 91% des Français, la famille, c'est ce qui est le plus important, c'est essentiel. Comme ça, rien de très surprenant. Mais du coup, ce qu'ils se demandent, c'est pour les 9% restants, comment ça se passe ? Comment ça se passe quand on n'est pas trop famille-famille ? Comment ça se passe quand c'est un peu le néant ou le conflit côté familial ? Voilà toutes les questions qu'ils vont nous poser. Ils vont nous inviter à venir ici, sur le plateau. On sera installés sur deux petits gradins en bifrontal. Et ça tombe bien parce qu'ils adorent faire du cinéma. Ils ont en fait très envie de faire du cinéma. Et donc, ils vont tourner un peu au milieu de nous. Et ils vont nous proposer ce spectacle. Vous allez certainement retrouver ce qui fait vraiment la marque de fabrique des Chiens de Navarre. C'est l'acidité, c'est le rire aussi. Et puis moi, ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est leur sens du collectif. Un collectif qui est toujours très joyeux, mais surtout, ce que j'aime le plus, c'est qu'ils osent tout. Et c'est ça qui fait du bien avec les Chiens de Navarre. Un petit peu de douceur ensuite, puisque nous irons en petite salle pour retrouver le spectacle « Li, le, la, l'eau, lu » de Damien Bouvet. Alors cette fois-ci, c'est un clown que moi j'aime particulièrement, Damien Bouvet, qui viendra. Il est déjà venu plusieurs fois dans la saison du Volcan Junior. Et cette fois-ci, il s'adresse aux plus petits à partir de 3 ans. Il va endosser le rôle d'un drôle de personnage qui s'appelle le père Touffe. Il est revêtu d'une drôle de robe de chambre, il a un bonnet de nuit, il est assez étonnant. Et surtout, il est en compagnie de sa petite souris qui s'appelle Cabotine. Et Cabotine, elle adore les livres, elle adore surtout les grignoter aussi. Elle adore qu'on lui raconte des histoires. Et ça tombe bien puisque le père Touffe, des histoires, il en a plein à raconter. Sur scène, il a plein de livres de toute taille, des livres à trous, des livres maison, des livres montagne, des livres de toutes sortes. Et puis, il va nous raconter ses histoires. On est vraiment, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus chouette, c'est qu'on est vraiment dans la simplicité du livre. On est dans le plaisir de se raconter des histoires et de se raconter des histoires au théâtre. Et c'est captivant. Les enfants sont toujours tenus, les parents aussi rigolent. Et c'est toujours assez cabotin. Jamais irrévérencieux, mais toujours cabotin. C'est assez chouette. En janvier 2012, le navire de croisière Costa Concordia s'échouait sur les côtes de l'île italienne de Giglio. Vous avez tous en mémoire les images à la fois spectaculaires et terribles du navire naufragé. Il transportait plus de 4000 passagers et personnel de bord. 32 personnes ont péri. Le commandant a été condamné à 16 ans de prison ferme. La metteuse en scène Alagone revient sur cette tragédie. Elle en fait une pièce de théâtre qu'elle a appelée « La révérence ». La révérence, c'est le nom que l'on donne à la manœuvre que font les paquebots lorsqu'ils s'approchent au plus près des côtes, au risque de l'accident. Alors elle pose la question suivante. Quelle est la responsabilité des uns et des autres dans cette histoire ? Celle du commandant, bien sûr, mais aussi de son équipage, de la compagnie qui l'emploie, et puis de nous tous qui sommes des touristes toujours assoiffés de spectaculaire, avide de toujours plus. Alagone, pour écrire sa pièce, s'est appuyée sur des faits réels. Elle vit dans le milieu de la marine. Elle a eu accès à la retranscription du procès du commandant et des officiers. Elle a eu accès à de très nombreux témoignages des rescapés du naufrage et également des habitants de l'île. C'est une pièce qui est à découvrir, qui sera créée au Volcan, en petite salle, du 3 au 7 mars.
Nouveau duplex, vous allez découvrir Gabriel, qui pour des raisons que j'ignore se retrouve en ce moment même dans une des grandes loges du volcan. Elle, ce qui l'a fait vraiment réfléchir, c'est ses années collège. Et je crois qu'elle voulait vous en dire quelques mots. Et oui, effectivement, Jean-François, on va parler de ces années délicates que sont le collège avec le spectacle « Qui suis-je » de Yann d'Agosta, inspiré par le roman éponyme de Thomas Gornet. Alors ce spectacle, accessible à partir de 12 ans, il raconte l'histoire de Vincent, ce jeune de 14 ans, qui va se rendre compte de son homosexualité lors de son année de 3e, lorsque Cédric, un nouveau, débarque dans sa classe. Vincent, il se sent pas à sa place, ni à l'école, qu'il considère comme une prison, ni même chez lui, où les relations avec sa famille sont distantes. Vincent, il est régulièrement moqué des autres élèves de sa classe et aussi de son prof de sport. Et d'ailleurs, la première scène, elle s'ouvre avec un cours de sport où Vincent doit grimper à la corde et il n'y arrive pas, il finit même par s'en blesser les mains. Yann d'Agosta, il nous propose un portrait touchant et intime de cet adolescent qui se cherche et qui met du temps à comprendre les bouleversements qui surviennent en lui. C'est comme s'il était ballotté par ses propres émotions. Et il est question ici de l'identité, de l'adolescence, de la naissance du désir amoureux, mais aussi de la différence, voilà, avec un ton très intime et très sensible. Entre les années 1570 et 1580, il est un homme qui travaille beaucoup. Il reste dans son château, pas très loin de la Dordogne. Il est extrêmement concentré, il est en train d'écrire un ouvrage qui nous est parvenu, qu'on est beaucoup à avoir lu dans nos années collège et après, c'est Montaigne, le texte c'est les essais. En 1580, le texte dans sa première édition est terminé, il monte à Paris, il va présenter cette édition à Henri III, roi de France, et puis il rentre dans des conditions extrêmement difficiles, on est en pleine guerre de religion entre protestants et catholiques. Et puis quand il rentre, ça le démange, il a quand même passé 10 ans enfermé, il a envie de voyager, il décide donc de reprendre la route. Pour faire cette route, il prend son cheval, un palefrenier, son secrétaire, il traverse la France, il traverse la Suisse, il traverse l'Allemagne. Son idée est d'aller jusqu'à Rome pour rencontrer le pape, pour que le pape lui-même reconnaisse ses qualités d'écrivain et de penseur. Sur scène, ce voyage en Italie, c'est Montaigne qui est là et qui va vous raconter ces 17 mois et 8 jours de voyage. Il voit les ravages de la guerre, il réfléchit, il pense évidemment beaucoup. Il cuisine aussi, il est là avec ses poules, parce qu'en voyage, on ne sait jamais sur qui on va tomber et si l'on pourra manger, donc il vaut mieux avoir tout avec soi. Vous aurez donc sur scène ce grand cheval, Montaigne, accompagné de ses deux camarades, et vous allez, je l'espère en tout cas, trouver la substantifique moelle des pensées de Montaigne, qui prend la route un 5 septembre 1580. Ensuite, après ce beau voyage en Italie avec Montaigne, on ira un peu plus près, on reviendra dans la région et on ira à Saint-Romain-de-Colbosque pour la première fois, plus précisément au Sirocco, où on accueillera ensemble avec le Sirocco, c'est une chouette première collaboration ensemble, un spectacle dont le titre a vraiment une grande importance, je vous le lis, « Victor ou la naissance d'une pensée ». Bon, dans l'histoire, il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur volant. Tous les ingrédients sont là pour ce concert théâtral. Vous allez vraiment rencontrer Victor. Victor, c'est un petit garçon. Il a à peu près 8 ans. C'est un petit garçon en fait assez banal. Son quotidien ressemble au quotidien de tous les petits garçons. Le matin, il se lève, il part à vélo. Ensuite, il y a une petite interro. Ensuite, il rentre ses dodos. Bref, c'est rythmé comme tous les enfants. Sauf qu'un jour, un lundi matin, plus précisément à 7h du matin, lorsqu'il se lève et qu'il part à l'école, il va croiser sur sa route un facteur volant. Intrigue, que va-t-il se passer? C'est là le début de son histoire, le début de son voyage. Il va faire plein de drôles de rencontres. Il va notamment vraiment rencontrer Céline Dion. Elle est belle. Mais il ne va pas rencontrer ses chansons.
les chansons. Elles seront données par 4 artistes qui sont au plateau, qui interprètent leurs propres chansons, et peut-être vous apprécierez tout autant. Et ils nous donnent un concert qui a vraiment la pêche. Ils sont 4, ils sont musiciens, comédiens, très complets. Et vous verrez, ce spectacle, c'est vraiment à voir en famille. On est embarqué du début jusqu'à la fin avec Céline Dion et ses compagnons. Allez, c'est parti pour un autre voyage cette fois-ci, mais un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos émotions. Vertige de l'amour, c'est tout un titre. Évidemment, là, on ne va pas penser à Céline Dion, on va penser à quelqu'un d'autre. Hein. Alain Bachung, par exemple, bah, comme référence, on change d'univers. Mais ce n'est pas la seule référence du Vertige de l'amour. Alors d'abord, Vertige de l'amour, c'est le collectif de la Cohue. On les a accueillis cette année déjà avec un spectacle coup de poing. Au théâtre des Bains-Douches, qui s'appelait Orphelin, et qui était vraiment un théâtre à la Ken Loach, si vous voyez ce que je veux dire, mais sans l'humour de Ken Loach. Cette fois-ci, avec ce Vertige de l'amour, ils reviennent questionner nos émotions les plus profondes, la question du couple, la question de la manipulation, la question du jeu. Leur travail, d'ailleurs, s'inspire beaucoup du cinéma de John Cassavetes, cinéma d'improvisation, beaucoup, si vous avez vu Une femme sous influence, par exemple. Et là, nous, spectateurs, nous voilà dans le trouble du couple, le trouble des émotions, des acteurs, mais les nôtres d'émotions aussi. Et du coup, on commence à s'y perdre. On parle de nous, on parle de qui, on parle de nos sentiments, et c'est vraiment ce jeu vertigineux qui s'installe entre les spectateurs et nous, et qui fabrique ce vertige de l'amour, une petite forme théâtrale extrêmement bien travaillée, tout à fait jouissive, mais normale, puisqu'on parle d'amour. Alors on va enchaîner sur un autre spectacle qui parle aussi d'amour et qui parle d'amour du geste. Alors là, on va être avec Alonzo King, d'amour du geste, d'amour de la forme. Alonzo King, Lines Ballet. Et là, c'est un voyage pour le coup sur la côte ouest des États-Unis puisque le Lines Ballet est basé à San Francisco et ça a son importance surtout pour le deuxième programme. Alonzo King, on ne présente pas trop son travail, c'est quelqu'un qui révolutionne le ballet de l'intérieur. Il fait du ballet néoclassique, mais il le révolutionne de l'intérieur par une gestuelle qui joue à la fois complètement sur le côté ciselé, affûté et la fluidité totale, constante du mouvement. C'est pas pour un hasard que ça s'appelle le Lines Ballet. Les lignes sont absolument fuselées, incroyablement travaillées. Premier programme à Handel. À Handel, c'est intéressant parce que vous savez que ce qui qualifie la musique baroque, c'est la fugue et le contrepoint, d'accord ? Et ce qui va évidemment qualifier le travail des danseurs de M. Alonzo King, c'est de faire en sorte que le corps des danseurs soit vraiment en contrepoint physique de la musique et qu'on soit dans un dialogue. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on part dans le Common Ground, carrément un voyage vers le 21e siècle, où on va célébrer l'esprit de San Francisco, célébrer l'esprit de liberté qui anime encore la côte ouest américaine, profondément démocrate, vous le savez, et surtout cette idée que de travailler la musique autrement, de travailler la musique en partage. La musique, c'est le Quatuor Chronos, dialogue entre la musique du Quatuor Chronos et les danseurs de la compagnie pour un common ground, un terrain et un terreau partagé. Voilà, beau moment de danse garanti. Du 11 au 15, on vous emmène au Muséum d'Histoire Naturelle. Rien de plus normal puisque c'est dans un atelier d'alchimiste au milieu des travaux d'herboristerie que se donnera le concert de Zéphiro Torna. Alors, pour réussir ce spectacle qui est en pleine création, qui n'existe pas encore aujourd'hui comme beaucoup d'autres des spectacles que nous vous présentons, trois grandes personnalités. Le premier, vous le connaissez bien, c'est son grand retour au volcan, c'est Peter Debye de la compagnie Laika. Le deuxième, c'est Zéphiro Torna, cette équipe de musique ancienne belge que vous avez découvert peut-être pour la première fois sur ce grand plateau la saison dernière. Et puis Alexandre Gauthier, ce chef 2 étoiles qui a donné le petit coup de main pour l'établissement des recettes les plus justes. De quoi s'agit-il ? Vous vous retrouvez donc dans un atelier d'herboristerie. Les musiciens sont installés, ils vont vous jouer une musique magnifique entre Hildegard von Bingen, Dufay, mais aussi des musiques traditionnelles grecques. L'ambiance musicale est assez splendide, puisqu'au départ, c'est un concert. Et puis, vous allez apercevoir Peter Debye, qui est au milieu des musiciens et qui, en direct, fabrique des élixirs, des pommades, des petites choses à goûter. Attention, ce n'est pas un repas, c'est bien un concert. Et pour vous permettre d'ouvrir tous vos sens à la musique et en profiter pleinement,
Peter et son acolyte passeront parmi vous pour vous mettre ici ou là un petit peu d'élixir, un petit peu de pommade, ou vous faire goûter des petites choses. Ça, c'est pour 5 représentations au Muséum d'Histoire Naturelle. Le spectacle sera créé à la rentrée. Autre temps destiné aux adolescents, mais pas que, bien au contraire. Pour l'occasion, vous serez installé ici sur le grand plateau pour vraiment vivre au plus près ces deux mises en scène de Pascal Daniel Lacombe du Théâtre du Rivage, qui a passé commande à des auteurs afin de créer un triptyque sur le temps. Donc, première pièce. Donc, pour Maelstrom, c'est Fabrice Melchiot qui a été sollicité. Vera, 14 ans, sourde de naissance, est là devant nous. Elle raconte son rapport aux autres, à sa mère, au monde, à elle-même. Vera, c'est le typhon de l'adolescence. Ce mélange des émotions, des colères, des souffrances parfois, l'intolérance à l'injustice, à l'exclusion. Cette tempête, ce bouillonnement intérieur qui ne cherche qu'à s'exprimer au monde. Et puis, l'espoir enfin, la résilience possible qui nous rend plus forts face aux épreuves. Nous, spectateurs, sommes là, assis là, face à un abribus, un casque sur les oreilles pour entendre les mots de Vera comme un secret. Vera est interprétée magnifiquement par Marion Lambert, au passage. À la renverse, second spectacle en alternance, est né quant à lui sous la plume de Karine Serre. Alors là, on est dans un dispositif bifrontal, où les deux comédiens interprètent avec finesse deux adolescents. Elle est née ici, dans une petite ville de Bretagne, face à l'océan, une ville au bout du bout. Et lui, il vient d'une grande ville, il vient passer tous ses étés ici, depuis qu'il est tout petit, comme un rendez-vous hors du temps qui ponctue leur vie. Elle ne rêve que d'une chose, c'est partir, faire des études et s'envoler dans l'espace. Lui ne rêve que d'une chose, c'est venir s'installer ici et travailler sur les chaluts, car l'amitié a laissé la place à l'amour. Chacun rêvera sa vie ou vivra ses rêves, nous faisant le précieux cadeau d'être témoin de deux histoires qui s'inventent devant nous, telle la douce promesse d'une vie à vivre pleine et entière. Après ces deux propositions pour les adolescents, on reviendra avec une jolie proposition pour les tout petits, Nightlight, Lumière de la nuit. Une proposition qui est donnée par deux compagnies, une compagnie qui nous vient du Danemark et une compagnie écossaise. Et ensemble, elles ont l'habitude de manier le théâtre d'objets. Mieux que personne, à partir de trois fois rien, à partir de nos objets du quotidien, elles arrivent à nous inventer de grandes histoires. Et cette fois-ci, elles vont nous inviter à nous installer dans un petit appartement au décor un peu suranné, avec plein de petits objets, un peu déco, des lumières aussi, bien entendu. Et vous verrez, c'est une histoire toute simple, l'histoire d'une petite fille. Quand la nuit tombe, tout le monde s'endort sauf elle. Elle se demande en fin de compte pourquoi est-ce qu'on lui demande toujours d'aller se coucher quand la nuit tombe, alors qu'elle pourrait aller explorer un petit peu la nuit, voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'il s'y passe des choses mystérieuses? Est-ce qu'il s'y passe des surprises? Et surtout, elle a très envie d'aller voir la lune. Nightlight, c'est sa balade dans la nuit. Ça s'arrêtera au petit matin, au premier chant du merle. Et c'est un petit bijou, moi, j'ai trouvé. On est vraiment cocon, dans un petit cocon avec eux. Et on passe à un moment très délicat aussi, très poétique. 1969, fin du mois de juillet. En 1969, à la fin du mois de juillet, le monde entier a les yeux rivés sur cette fameuse lune. 400 millions de téléspectateurs sont devant leurs petits écrans parce qu'en cette fin juillet 1969, le grand événement, c'est le couronnement de tout le programme Apollo avec le 11e vol Apollo et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, à cette époque, la BBC, qui faisait les choses en grand, avait décidé que pour couvrir cet événement, il fallait de la musique. Et le groupe qui avait été invité en studio pour mettre en musique ses premiers pas de l'homme, c'était les Pink Floyd, bien avant The Dark Side of the Moon. Et l'on comprend mieux comment The Dark Side of the Moon est né. Thierry Ballas, à l'époque, il avait 5 ans. C'est aujourd'hui un des compositeurs électroacousticiens les plus en vue de notre pays. Vous l'avez peut-être découvert au Volcan Maritime, justement. Il avait repris The Dark Side of the Moon sur scène. Toute la bande son de la mission Apollo 11, donc les Floyd et tous les autres. Et puis, l'apesanteur.
regarder quelques images, un petit extrait de ce spectacle Cosmos 1969. Après ce spectacle, on aura le plaisir en mars de recevoir pour la première fois le festival Spring, festival des nouvelles écritures du cirque partout en Normandie. Et à cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir le spectacle Mobius de la compagnie XY. Alors je ne peux pas vous cacher que la première fois que j'ai découvert le travail de la compagnie XY, je n'ai pas pu m'empêcher de verser une larme et surtout de frissonner pendant tout le spectacle. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voici la devise de cette compagnie qui rassemble un grand nombre d'acrobates spécialisés dans les portées acrobatiques. Alors, pas de trapèze, pas de filet, uniquement des figures, des sauts. Ils se portent, ils se rattrapent et ils sont 19 sur le plateau. Pour aller plus loin encore, ils ont décidé sur cette création de s'associer à Rachidou Ramdan, qui est l'actuel directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, et qui est donc chorégraphe. Voilà, ce que je peux vous assurer, en tout cas sur ce spectacle, c'est qu'une fois après l'avoir vu, à la fin, vous n'aurez qu'une envie, c'est de serrer votre voisin de siège contre vous, parce que la seule chose qu'on puisse retenir de leur travail, c'est finalement le collectif et l'unité qui nous rassemble tous. Voilà, on va tous se serrer bien chaud dans les fauteuils. On ira ensuite en petite salle avec Ik et Nunc. Alors Ik et Nunc, pour ceux qui se souviennent des cours de latin, peut-être au collège, il y en a peut-être dans la salle. Ik et Nunc, ça veut dire ici et maintenant. Et c'est bien ici et maintenant que l'on va suivre l'histoire de Candide. Un Candide qui vivrait de nos jours, un Candide qui peut-être porterait un regard différent sur le monde d'aujourd'hui. Est-ce que son regard serait aussi naïf face à nos guerres, face à nos crises climatiques, à nos crises migratoires aussi? Voilà un petit peu le défi que se lancent les deux metteurs en scène de ce spectacle, Camille Rocailleux, qui est d'ailleurs plutôt musicien et qui là va signer la mise en scène du spectacle, et Estelle Savasta, qui est autrice pour la jeunesse, qui a une écriture théâtrale pour la jeunesse depuis plusieurs années déjà. Ils ont réécrit complètement le texte de Voltaire, mais sans jamais le trahir. Par contre, ils le ramènent aujourd'hui, ils le dépoussièrent, ils lui donnent une fougue, une liberté aussi qui est intéressante. Ils ont choisi deux jeunes artistes que vous voyez là en photo, qui sont à la fois comédiens, qui sont musiciens. L'interprète est également chanteuse lyrique, elle joue dans des opéras, elle chante dans des opéras. Et ensemble, ils jouent. Il joue tout le temps, il joue avec fougue, il nous emmène, il nous emporte. Il dessine aussi, c'est vraiment un spectacle très complet, moi j'ai trouvé. Début du mois d'avril, attention, événement, le retour au Havre de Robert Lepage. Robert Lepage avec les sept branches de la rivière Ota. Alors, les sept branches de la rivière Ota, c'est un spectacle que Robert a créé il y a maintenant 25 ans. C'est le premier spectacle qu'il a créé avec sa compagnie. Et c'est un spectacle qu'il a créé à partir d'Hiroshima. Il est parti en voyage à Hiroshima, convaincu que ça devait être une ville absolument désespérée, où il n'y aurait plus d'arbres, plus d'herbes. Il a été complètement stupéfait de se rendre compte que c'était une ville qui était redevenue extrêmement vivante, bouillonnante, tout avait été reconstruit, les arbres et les pelouses avaient repoussé, et c'était une ville dans laquelle on vivait bien. Il a eu un véritable choc et a conçu son premier très grand spectacle, sa première très grande saga.
Vous en avez pour 7 heures d'aventure absolument inouïe. Sur ces 7 heures, vous allez croiser 40 personnages, vous allez traverser une histoire de 50 ans avec des personnages qui se baladent entre New York, la Pologne, Amsterdam, Osaka et évidemment Hiroshima. Ce spectacle est un spectacle dans lequel le décor se transforme en permanence, puisque vous allez être en permanence en voyage avec les personnages. C'est un spectacle qui a traversé le monde déjà 3 fois. Il ne sera donné, lui aussi, en France que très peu. Vous aurez 2 occasions de le découvrir au Volcan. On va s'occuper de vous. Vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi dîner, vous aurez de quoi occuper les petites pauses que Robert vous demandera pendant ses représentations. Attention évidemment, horaires particuliers. Entre le samedi et le dimanche, c'est 14h30 ou 15h30, de telle sorte que vous ne passiez pas toute la nuit avec nous. C'est un spectacle extraordinaire. Vous ne verrez pas beaucoup de spectacles, pas beaucoup d'épopées, de grandes sagas, comme les 7 branches de la rivière Ota. Les 7 branches, c'est vraiment la rivière qui coule à Hiroshima, ville dans laquelle les premières choses à avoir été reconstruites après la bombe atomique, c'est les 2 ponts, le yin et le yang. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, et juste avant les vacances, pardon, 2e édition du festival Musique Musique, ce festival qui se donne pour objectif de s'affranchir des esthétiques, de s'affranchir également des frontières, de s'affranchir des genres, et tout simplement de vous proposer ce qui se fait de meilleur aujourd'hui dans tous les genres et dans toutes les esthétiques. Quand on a commencé à construire ce festival, j'avais une phrase en tête, une phrase qui avait été prononcée il y a déjà quelques années en réponse à la question d'un journaliste par Tom Waits, qui lui demandait, mais finalement, quel genre de musique faites-vous? Qu'avez-vous voulu faire avec cet album? Et la réponse de Tom Waits a été extrêmement simple et en même temps lumineuse. C'était, je cite, « Je fais du cinéma pour les oreilles ». Cette phrase me hante depuis longtemps quand j'écoute de la musique et ce festival essaye de répondre à cette définition de la musique. Alors, premier spectacle que l'on vous propose dans Musique Musique, ce sera au Théâtre des Bains-Douches. C'est une histoire vraie, l'histoire d'une soprane, elle s'appelle Julie Mosset. Toute petite, elle naît à Spa-Francorchamps et son papa tient une friterie à Spa-Francorchamps. Son papa dirait la plus grande et la meilleure friterie de Belgique, c'est peut-être même vrai. Et son papa était évidemment convaincu que sa fille reprendrait la friterie. Elle, très tôt, c'est la musique qui l'intéresse. Alors, comme la musique l'intéresse beaucoup, elle commence à aller chanter avec les copains. Elle chante du disco, elle chante de l'opérette, elle chante tout ce qui lui permet de chanter. Et puis, elle commence à rentrer au Conservatoire Royal de Namur, elle se met au chant lyrique. Et c'est cette histoire que vous allez découvrir, celle de professeurs qui lui expliqueront pendant des années que non, ça n'est pas possible de s'abîmer la voix à chanter du disco, il faut arrêter tout ça. Elle va continuer toute sa vie à chanter du disco. Elle fait une carrière phénoménale. Elle s'est présentée au concours Reine-Élisabeth. Cette histoire est une histoire magnifique pour tous les enfants qui se posent plein de questions sur la musique. Ça joue pendant toute la semaine au Théâtre des Bains-Douches. À partir du mardi, on se retrouve ici sur le Grand Plateau. Vous allez rencontrer un orchestre qui nous vient spécialement de Montréal. Il s'appelle l'Orchestre d'Homme Orchestre. Et le spectacle qu'ils vont vous donner, c'est l'Orchestre d'Homme Orchestre joue à Tom Waits. Ils jouent à peu près avec n'importe quoi, ils jouent sur eux, ils jouent sous eux, ils sont 4 garçons, 2 filles, c'est absolument extraordinaire. Toute la musique de Tom Waits, c'est là, la folie en plus. À partir du mercredi, on commence un petit voyage en Afrique avec 2 artistes sur le plateau. La première nous vient de Gambie, elle s'appelle Sonia Jobarté. En Afrique de l'Ouest, depuis toujours, la kora se transmet de père en fils. Elle, c'est une fille, c'est une des rares filles en Afrique de l'Ouest qui a pu se mettre à cet instrument. C'est les racines de la musique africaine. Elle a une voix juste incroyable. En deuxième partie de soirée, on passe au Maroc avec Aziz Samaoui. Aziz Samaoui, c'est un magnifique musicien. C'est un des grands connaisseurs de la musique de la Méditerranée. Il est né au Maroc. C'est le fondateur, pour celles et ceux d'entre vous qui ont écouté ce groupe dans les années 90, de l'Orchestre National de Barbès. Sur scène avec University of Nawa, qui est probablement un des meilleurs groupes que vous pourrez entendre dans toute l'Afrique du Nord. Il sera sur ce plateau et vous devriez avoir du mal à rester sur vos fauteuils. Troisième soirée, ce sera donc le jeudi. Toujours 2 artistes, 2 pays d'Afrique. On commencera avec le Sahara occidental. Au Sahara occidental, vous avez une voix divine, une femme absolument incroyable. Elle s'appelle Aziza Brahim.
Elle est née à la frontière entre le Sahara occidental et l'Algérie. Vous savez, c'est un territoire qui est extrêmement revendiqué par différents pays, dont le Maroc. La guerre a été extrêmement difficile et dure dans ce coin-là. Elle a grandi dans ces conditions. Aujourd'hui, elle chante avec une sincérité tout à fait impressionnante. Vous allez découvrir une très grande dame. En deuxième partie de soirée, on passera à la Tunisie avec probablement un des musiciens les plus connus aujourd'hui de l'Afrique du Nord. Il s'appelle Dafer Youssef, c'est un virtuose du oud. Il est quelque part entre le jazz et les musiques traditionnelles tunisiennes. Il a une voix incomparable. Vous allez vite rencontrer un très grand monsieur. Le 10 avril, c'est le vendredi, on fait un vrai grand saut jusqu'en Afrique du Sud. C'est un jeune homme que l'on vous propose, il s'appelle Bongeziwe Manandla. Lui, il est en train de réinventer une espèce de folk, chanson sud-africaine qui transcende les genres, qui transcende également les problématiques des couleurs de peau dans ce pays. Ils seront trois sur scène, c'est très très beau. Et puis enfin, pour terminer cette soirée du vendredi, Kogoba Basigi. Kogoba Basigi, c'est le rassemblement, le mariage entre le jazz français européen et le Mali. Sur scène, deux groupes. Le seul groupe qui existe aujourd'hui en Afrique, le Kaladjoula Band, composé uniquement de femmes, ce sont des griottes. Et puis un ensemble de jazz, tout ce qu'il y a de plus classique en France. Ils réinventent les deux groupes réunis, à la fois le jazz et la musique malienne. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement rare, c'est beaucoup de monde sur le plateau. Là aussi, je pense que vous finirez par danser avec les musiciens. Et puis pour finir ce festival le samedi, après vous pourrez partir en vacances, pour la première fois sur le plateau, la Camerata du Havre, l'orchestre du conservatoire, avec un grand soliste, Guillaume Vincent, artiste associé à la maison. Guillaume, vous le connaissez sans doute, c'est lui qui était là au piano pour la création d'ADN baroque avec Théophile Gautier. C'est lui aussi qui l'en passait à créer de Chopin aux Beatles. Immense musicien, tout jeune. Je suis d'avance impatient de cette collaboration entre les profs, les grands élèves du conservatoire et cet immense virtuose. Quelques extraits très courts de chacun de ces musiciens pour que vous puissiez vous faire une idée. Julie Mossé. L'orchestre d'orchestre. Sonia Jobarté. Aziz Samaoui. Aziza Brahim. Faire Youssef. Bongeziwe Manandla. Kogoba Basigi.
Et vous allez finir par vous demander qu'est-ce qu'il a comme manie, celui-là, d'apparaître par les dessous en permanence. Et vous n'aurez pas tout à fait tort, mais je vais quand même m'expliquer. Parce que je vous parle de ressurgissement, de résurrection, rien de moins que ça, et de la résurrection de la musique anglaise, par le plus anglais des compositeurs allemands, George Friedrich Handel. C'est lui qui va vraiment faire renaître la musique pour la royauté anglaise, avec vraiment des musiques festives. La première d'entre elles, que vous aurez l'occasion d'entendre, par le B-Rock Orchestra, qui est bien sûr un des habitués maintenant du volcan, vous voyez régulièrement, et qui, avec son nom, comme son nom l'indique, le B-Rock, fait vraiment rocker la musique ancienne et donne un sacré coup de boost à la musique ancienne dans sa manière de jouer. Et donc, pour commencer, Water Music d'Handel, qui est une musique pour célébrer le roi sur la Tamise, toute la cour en bateau, les musiciens en bateau, c'était comme ça à l'époque. Quelques années plus tôt, avec Georges II, le fils, musique pour les feux d'artifice royaux. Cette fois-ci, la cour n'est plus sur la Tamise, elle est sur les rives avec l'orchestre, mais ce sont les feux d'artifice qui sont tirés depuis la Tamise. Vraiment un programme feux d'artifice, la fête en musique, et qui, évidemment, ne peut pas passer par Vivaldi. Vivaldi, pourquoi ? Parce que dans la genre musique feu d'artifice, ben, ça se pose là. Et puis aussi parce que Handel est sans doute aussi le plus italien des compositeurs anglo-allemands, le plus européen des compositeurs, ça, il n'y a pas de souci. Et je retourne dans mes sous-sols. Philippe Serre est une des plus grandes figures de la danse contemporaine actuelle en Suisse. En 2015, il a créé un spectacle qui s'appelait Vacuum, qui a été un véritable succès. Et à tel point qu'il a décidé de l'adapter pour une version adaptée aux enfants, donc le spectacle Hocus Pocus. Sur ce spectacle, il réutilise le même dispositif qu'il avait utilisé lors de son précédent spectacle, que je vous laisse découvrir en images. Alors vous le voyez, ce dispositif, en fait, c'est simplement deux néons blancs, l'un au-dessus de l'autre, dans lesquels évoluent deux danseurs, deux personnages, qui vont nous faire vivre tout un conte initiatique et sans texte dansé. Et avec eux, du coup, on va traverser les nuages, s'envoler, puis redescendre et aller s'enfoncer dans la mer, rencontrer des créatures marines. Bref, c'est très beau, c'est très fort, et c'est pour cette raison que je vous invite vraiment à venir voir ce spectacle avec vos enfants. Et puis, dernier spectacle de la saison Volcan Junior, qui aura lieu du 14 au 19 mai. Et cette fois-ci, nous accueillerons le Boufou Théâtre. Le Boufou Théâtre, ça fait pas loin de 30 ans que Serge Boulier, qui mène cette compagnie, œuvre dans le champ de la marionnette et aussi dans le champ du jeune public. Et cette fois-ci, il reviendra au Volcan avec du vent dans la tête. Alors, vous allez voir l'histoire de deux enfants qui sont représentés par deux marionnettes qui sont vraiment bien mignonnes. Le premier, c'est un petit garçon, le pauvre, il a plein de trous dans la tête, il a la tête pleine de trous, il a du vent dans la tête, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis il y a aussi une petite fille qui est à la tête pleine de bouchons, c'est un peu Madame Je sais tout, elle est toujours première de la classe, elle est vraiment énervante. Tous les deux sont assez différents, dans la classe ils se côtoient assez peu, mais à un moment il va y avoir un chapeau qui va être volé mystérieusement et ils vont partir ensemble à la recherche de ce chapeau. Voilà le début de leur quête. Vous allez voir, c'est un spectacle qui est très bien mené dans un décor où ils ont entièrement reconstitué une salle de classe. C'est tout simple, mais on s'y croirait. Et on voit les personnages, toutes les marionnettes œuvrer dans cette petite classe. C'est comme un voyage. Et surtout, ça nous rappelle assez simplement les bancs de l'école. Peut-être vous vous souvenez de ces moments où on est assis près de la fenêtre et puis il suffit de regarder dehors et hop, on est parti sur la lune. Du vent dans la tête, c'est ce voyage-là. Et si demain, nous avions des robots pour partenaires sexuels ? Alors, c'est une question qui ne vous a sans doute jamais effleurée, vous la trouvez sûrement même incongrue.
C'est pourtant une vraie question et c'est le thème de la prochaine création d'Olivier Lopez, Rabudoru, mon amour. Alors Rabudoru, c'est le nom japonais que l'on donne à ces poupées grandeur nature qui imitent avec un réalisme très troublant le corps féminin. Et il faut savoir que de plus en plus, ces poupées accompagnent la vie des hommes au Japon. On voit même dans les parcs et sur les bancs des Japonais avec ces poupées à leur côté. Alors, c'est sans doute pour eux une réponse à une certaine solitude, mais aussi plus sûrement un refuge face à la pression qu'ils subissent, face aux injonctions de performance qui sont très fortes, notamment au Japon, face à la peur de ne pas être à la hauteur. Ces femmes-objets, je devrais plutôt dire ces objets-femmes, ont l'avantage de ne rien réclamer, de ne pas juger, de ne pas reprocher et d'être entièrement soumises aux désirs des hommes, avec bien sûr toutes les conséquences que cela peut avoir sur le futur des relations entre les hommes et les femmes. Alors, au-delà du caractère un peu sulfureux de ces poupées, il y a une autre vraie question qui se pose avec ce spectacle, c'est celle de notre capacité à investir émotionnellement des robots, à les assimiler au vivant, à les doter de personnalités à part entière. Et c'est une vraie question parce que demain, après-demain, nous vivrons et nous serons assistés de plus en plus par des robots. Alors, Olivier Lopez, il s'empare donc d'un sujet grave, mais il le fait avec tout le talent et la drôlerie qui le caractérise. On avait beaucoup ri avec Bienvenue en Corée du Nord. On a également beaucoup ri l'an dernier avec 14 juillet et ce comédien extraordinaire qui est Fabrice Had et que l'on va retrouver dans cette pièce, Rabudoru, mon amour, qui raconte donc l'histoire d'une entreprise en crise de croissance dont le patron, pour sauver sa boîte, décide, propose à ses employés de se lancer dans la fabrication de poupées de réconfort pour adultes. Tout un programme. Dernier spectacle de la saison, nous serons le 29 mai et nous aurons le plaisir d'accueillir la Pacheva Dance Company avec le spectacle Venezuela qui apparaît là tout de suite. Ça jouera le 29 mai, on va regarder d'abord quelques images avant de vous en dire quelques mots. Quelques images de la Batcheva et je crois qu'Agnès est en régie à l'œuvre depuis le début de la soirée aux côtés de toute l'équipe technique et je crois Agnès tu avais envie de nous dire quelques mots sur ce spectacle, c'est bien ça? Quelques mots, oui, seulement parce que la vidéo parle d'elle-même. Vous l'avez vu sur les images, Venezuela, c'est une danse physiquement très engagée, dont il se dégage une énergie impressionnante, mais aussi tout en nuances, avec une interprétation théâtrale très fine. Je parle plus vite que la vidéo, mais c'est pas très Il y a un petit décalage, mais on peut te voir là-haut en régie, sinon on peut t'écouter. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment une chance pour nous tous d'accueillir la Batcheva Dance Company au Havre. Tout d'abord parce que c'est une des plus grandes compagnies de danse en activité actuellement, qui est sur les plateaux du monde entier depuis plus de 50 ans. Et pour ce spectacle en particulier, Venezuela, qui a été très peu montré en France. Bon, puisque les lumières, pour une fois, sont tournées vers le haut, vers la régie, c'est l'occasion aussi de vous montrer une partie de l'équipe technique qui a œuvré toute cette soirée pour le son, là, oui. La vidéo, la lumière, le plateau, la régie. La vidéo ne nous aide pas beaucoup, mais en tout cas, on est là-haut, derrière vous. Et on va vous rendre l'image pour quelques informations pratiques. Oui. Retour au plateau. C'est bien ça, merci. Du coup, pour terminer cette présentation, merci, oui, vous êtes gentil, mais c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Pour terminer cette présentation, je vous invite juste à regarder les dernières pages de la brochure. Vous allez voir à la fin le programme que nous dédions à l'accessibilité au spectacle pour les personnes qui se trouvent en situation de handicap sensoriel. Des spectacles en audiodescription, des spectacles qui sont signés en langue des signes française. Vous avez tout le programme à la fin de la brochure. Également le programme du Volcan en action où vous allez découvrir toutes
toutes les rencontres qu'on propose avec les artistes invités tout au long de la saison, l'occasion de découvrir plein de choses avec eux. Et puis également, à la fin, comment prendre ses places. Vous avez toutes les informations sur les tarifs, notamment, l'occasion de vous signaler qu'ils n'ont pas changé depuis l'année dernière. Vous avez toujours la possibilité de soit prendre vos places à l'unité, si vous souhaitez ne venir qu'une fois, après avoir vu toute cette présentation de saison, ou alors vous avez la possibilité de choisir des formules à partir de 5 spectacles, 10 spectacles, 15 spectacles. Vous pouvez aussi prendre un carnet Oscar, que vous pouvez partager. Vous pouvez venir avec des amis, en couple, en famille, etc. Vous pouvez partager ce carnet. Et puis également, vous nous votez cette année un carnet Musique Musique pour profiter pleinement du festival Musique Musique dont on vous a fait la présentation tout à l'heure. Également, vous rappelez, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si vous voulez bénéficier des ventes flash. Et puis également, à quel moment prendre ses places? Voilà la deuxième et dernière question qu'on va voir ensemble. Pour la saison du Volcan Junior, ce sera à partir du 14 septembre, tranquillement à la rentrée, une fois la rentrée des classes passée. Pour le festival ad hoc, à partir du 12 octobre, on ouvrira le programme de ce festival. Mais par contre, dès demain, nous allons ouvrir la billetterie avec un grand week-end d'ouverture du samedi 15 au dimanche 16 juin. Je souligne bien au dimanche aussi. Vous pouvez nous rendre visite le dimanche aussi, et pas forcément que le samedi matin. On est là pour vous accueillir de 10h à 18h30. Il y aura du café tout au long du week-end. On sait que vous serez nombreux à faire la queue samedi matin, mais n'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Il y a de la place, plus de 50 000 places, quelque chose comme ça. Bref, de quoi vous accueillir, vous inquiétez pas. Et puis également, la vente en ligne sera ouverte aussi dès ce week-end. Vous pourrez prendre vos places sur le web. Petite différence avec le guichet, vous ne choisissez pas vos places, c'est l'ordinateur qui fait tout le travail pour vous et vous choisit les meilleures places dans la salle, ça tombe bien. Et puis également, plus d'infos sur le site internet qui sera en ligne aussi demain matin à partir de 10h. Vous retrouverez des textes supplémentaires sur les spectacles. Vous retrouvez surtout les vidéos en entier, toutes celles qu'on a coupées sauvagement pendant la présentation. Et puis également des photos et plein d'autres infos qui seront utiles. Voilà, je passe la parole. Voilà, on est arrivé au bout. Vous avez vu, hein, on n'a pas fait 5-6 heures. On pourrait, hein. Merci beaucoup, j'espère en tout cas que tout ça vous a donné envie de voyager. Un grand merci à tous les partenaires publics du Volcan, l'État, la ville du Havre, le département de Seine-Maritime, la région Normandie. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette présentation. Merci à nos mécènes. Et si vous avez envie de nous mécéner, on en parle tout de suite après avec un petit verre. C'est les meilleures conditions pour parler d'argent. Juste avant qu'on se retrouve, l'équipe, comme tous les ans, vous avez préparé une petite vidéo. Ça va durer quelques secondes, profitez-en et très très bel été à vous tous. Merci beaucoup.